superposer les feuilles de choux lavées, les découper en lanières, retirer les côtes trop dures et les fendre en deux. Mettre le beurre à fondre sans coloration, ajouter l'oignon haché, le faire suer légèrement, ajouter les lardons de poitrine fumés, les laisser rissoler pendant une minute, ajouter la chiffonnade de choux, saler très légèrement et laisser fondre pendant 2 à 3 minutes sur feu très doux. Il faut faire ça surtout avec des choux de printemps. Voilà, hein, oui. Les choux d'hiver, c'est peut-être alors, moins intéressant. Les choux d'hiver, la précaution, ce serait de les blanchir, de le blanchir un petit peu avant. Et à ce moment-là, on peut faire l'embeurrer. Réserver, mettre à fondre le beurre, ajouter les lardons fumés, laisser cuire une minute, ajouter le fumé de poisson, porter à ébullition et faire réduire de moitié. Ajouter la crème liquide et faire réduire également de moitié. Faire lever les filets de truite, les assaisonner, mettre à chauffer l'huile de pépins de raisin et faire dorer rapidement les filets de truite du côté peau uniquement. Les déposer sur une grille, disposer deux filets de truite côté peau dans le plat allant au four, répartir l'embeurré de choux et déposer le deuxième filet de truite du côté chair. Enfourner les filets de truite pendant 7 minutes à 180 degrés. Reporter la sauce à ébullition, éteindre le feu, ajouter une cuillère à soupe de beurre bien froid, monter la sauce et rectifier l'assaisonnement. Sortir les truites du four et napper le fond du plat de sauce encore bien chaude. Truite rôtie embeurrée de choux au lard fumé. Pour 2 personnes, 2 truites, un chou frisé, 40 g de lardons fumés, un oignon, 10 cl de fumée de poisson, une demi-cuillère à soupe d'huile de pépin de raisin, 3 cuillères à soupe de beurre, 10 cl de crème liquide, du sel et du poivre du moulin.